Ladies and gentlemen, welcome on board this Eurostar service to Epsley and London. Départ de ce train, 9h13. À moins d'un an des Jeux, Londres est en pleine fièvre olympique. Telle une ruche, on s'affaire sur les différents chantiers et le parc olympique laisse désormais entrevoir ses plus beaux atouts, son stade, sa flamme, son sortie de terre et témoigne de la patience de toute une nation. Laura Flessel n'en perd pas une miette. À l'initiative de son sponsor, également partenaire des Jeux, elle découvre pour la première fois les infrastructures. Une belle occasion de s'imprégner de ces lieux où elle disputera en 2012 sa cinquième et dernière Olympiade. Ça y est, ça vous donne la chair de poule parce qu'on se dit on y est presque. Il y a de l'émotion parce que c'est un événement important. C'est un événement qui va se répéter pour moi pour la cinquième fois, mais j'ai besoin de beaucoup d'assurance. Il y a des gens qui sont très philosophes pour essayer d'aller vers un objectif. Moi, j'ai besoin de plein d'informations, gérées concrètes. Tout pour moi est un facteur de réussite. La visite continue dans la capitale anglaise. Pour la double championne olympique, direction le Excel Center qui abritera les épreuves d'escrime durant les Jeux. À quelques kilomètres au sud du stade, en plein cœur des anciens docks de Londres, Laura vient se familiariser avec cet immense centre de conférence, près de 100 000 m² qui accueilleront jusqu'à 7 000 spectateurs. Enthousiaste, mais un brin nerveuse, la Guadeloupéenne découvre ce qui sera son quotidien l'été prochain. De s'approprier en fait déjà le terrain, ça permet en fait de dédiaboliser, je dirais, le site. We can only excel when you. So we'll just listen to the three of them. Okay. And ask as many questions as you like. They know that this will be your home during the Olympic Games. Le gigantisme en fait de la salle ne va pas inhiber ma personnalité le jour de la compétition parce que pour moi j'y serai déjà passée. Il n'y aura pas de découverte mais il y aura juste une reconquête. En gauche. Es-tu prêt? Allez. L'escrimeuse photographie sous tous les angles, une banque de données qui l'aidera dans sa préparation. Le vide de la salle ne l'empêche pas de visualiser son futur agencement. En grande habituée, Laura Flessel s'y voit déjà et anticipe même les contraintes du lieu. Le plafond est bas quand même. Quand c'est trop pesant, tu t'endors et c'est un sport d'explosivité. Donc si tu es sous la lumière qui n'est pas du tout naturelle, le danger c'est de t'endormir. Et là, je vois pas les potes naturelles. Je veux de la lumière naturelle. And where is the toilet? The toilet? Yeah, because we, time is precious. Yeah. Les toilettes, on en rigole, mais c'est vrai. On est tout le temps en train, à l'affût, en fait, de gagner du temps pour ne pas être stressé, de peur de prendre en fait un avertissement parce que la ponctualité, elle est de mise à l'esprit. I'm not sure which one's the toilet, which one's the Les filles, je pense à vous. Thank you, bye. Alors, l'Excel Center, ben, quelque part, on est venu désacraliser, donc ça y est. C'est un bel outil. C'est un grand, alors c'est une grande salle vide, donc on a beaucoup travaillé avec l'imagination. C'est une première visite très agréable parce qu'il n'y a pas le stress, il n'y a pas les manifestations autour de
de l'événement. Donc c'est un lieu banal, c'est un lieu de passage où il y a des boutiques, des magasins, et je vais le garder comme ça. Et c'est depuis ces installations et de cette ville en chantier que la double championne olympique pose les bases de sa préparation mentale. C'est sereine que Laura souhaite disputer ses dernières joutes olympiques et boucler ainsi la boucle en beauté.